C'est un quart de finale de Coupe de France qui se joue mercredi soir à Rouen. Ça pourrait être la première fois depuis 54 ans que Valenciennes joue une place en demi. Ça représente quoi pour le club, pour l'équipe? Ça représente beaucoup. Je pense que voilà, au fur et à mesure du parcours, on s'est pris au jeu. Et demain, ça va être un match hyper intéressant contre une équipe très intéressante dans un stade historique, assez bouillant, donc avec nos supporters. Donc on est vraiment content de pouvoir partager ce moment. Il va y avoir 700 supporters valenciennois qui vont faire le déplacement demain soir à Rouen. Il va y avoir une sacrée ambiance dans ce stade. C'est excitant aussi. Ouais, c'est excitant. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là, pour vivre des moments comme ça. Le stade, il va être plein, dans une ambiance assez particulière. Donc, quand on a vu le tirage, quand on jouait à Rouen, à Diochon, et l'ambiance qu'il y avait contre Toulouse et Monaco, on s'est dit que ça allait être intéressant de pouvoir jouer ce match-là. C'est un contexte qui motive encore plus, on va pas se mentir. Ouais, c'est ça, c'est une compétition particulière, un contexte différent. Donc à nous de faire en sorte de pouvoir continuer. Vous êtes en Ligue 2, ils sont en National. On a tendance à croire que vous êtes plutôt favori. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, pas du tout. Il n'y a pas de différence entre les équipes. Au contraire, ils sont sur une dynamique plus intéressante que la nôtre. Donc, non, pas du tout. On est vraiment très, très humble, avec beaucoup de sérieux. Et on y va avec beaucoup d'humilité. En championnat, vous avez beaucoup de difficultés. La coupe, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous aérer à l'esprit? Ouais, c'est notre parenthèse, notre bouffée d'oxygène. Donc les tours précédents, ça n'a pas été facile, mais on a toujours montré des valeurs. On a fait les choses pour pouvoir passer à chaque fois. Et demain, on va essayer de faire la même chose, même si je pense que ça va être un adversaire très très difficile. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci.